Bon, c'est la fin. C'est le deuxième. Il y a énormément d'air qui sort de là, en fait. Alors là, il y en a, pas trop. En haut, beaucoup, à travers l'horizontale. Mais énormément ici, à travers le rocher. Là. Ah oui. Donc c'est là. Bon, je suis parti par là-bas. Donc ce bloc, je crois que c'est un bloc, je crois que c'est quand même la paroi. Elle est dessous. Et là, en fait, il y a de l'air vachement là-haut aussi qui arrive à travers le gravier à l'horizontale. Mais en bas, pas tellement. Donc, à nettoyer ça, il faudra de la place. Et moi, ça y est, mon choix est fait. Ça va être ici. Là. Ici, entre ces deux. Ainsi va la vie. Alors, il faut creuser encore un peu, ça ne sera pas perdu. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. Ça souffle et c'est décollé. Et on voit sur, oh là, je vois sur 2 mètres là. Avec mes lunettes qui grossissent là. Ouais. Et il y a de l'air. Là-bas, ça gonfle parce que ça sort à travers le gravier et ça force. Et voilà, entre la voûte, regardez-moi ça, là. Vous voyez rien, là. On va voir ça, c'est... Là, tout est décollé, tout passe par là. C'est du remblai. Et là, là c'est massif. Là, c'est une force, là. Bon, ben, c'est bien. Évidemment, là-bas. Ça passe là derrière, ça monte dans les graviers, ça ressort en hauteur. Là où il n'y a pas grand chose, c'est surtout là et là. Mais là, c'est super bon. Youhou! Bon, mais voilà, alors j'ai attaqué là d'abord et j'ai attaqué là ensuite. Dans le doute. Alors, j'ai tout stocké. Il y a peut-être une quarantaine de sacs entre un chantier et l'autre. Oui. Et là, voilà. Malheureusement, là, j'ai eu 6 intermittences. Alors, sur cette fente-là, il y a de l'air qui arrive, mais c'est quand même pas extraordinaire. Par contre, là, par la fissure, là, c'est énorme, ce qui arrive ici, par cette fissure. Cette fissure n'est pas loin de derrière. Moi, je pense que ça vient de là, parce qu'on avait toujours le courant d'air côté gauche. Et là, il est passé côté droit, dans le gravier. Mais il est là, aussi. Donc, on va voir là, d'abord. Voilà, suite au prochain. Suite au prochain épisode. Oh la merde. La merde dans l'œil. Oui. Bon, ben, j'allais partir quand ça commence à se mettre à souffler dans là-haut beaucoup d'air. À travers là-bas derrière aussi. Et là. Là, il y a un chemin d'air. Là. Là, il y a beaucoup d'air là. Ouf, là oui, là, ça souffle vachement fort. Et là-bas, comme je dis, il y en a aussi, mais un peu moins. Il y en a aussi. Alors l'autre, il fait plus de bruit parce que c'est à travers les graviers. À travers les graviers, ça force. Et là-bas, on ne peut pas voir, mais il y a une coulée de pierre. C'est peut-être dessous, mais il vaut mieux suivre l'air quand même. On arrive de là. Là aussi, ouïe. Bon, écoute, c'est bon. On manque pas d'air, hein. Ça dé...